Un petit peu notre staff technique, et peut-être que je vais lui donner l'occasion de venir. Bah oui, coach, je suis venu les présenter tous vos adjoints. Désormais, au sein du FCZ du Congo, est-il grâce à vous de vous présenter? Alors, il n'y a pas que un manager général, nous voulons commencer avec les plus jeunes pour les amener le plus loin possible, faire en sorte que les élèves du Congo puissent être un tremplin pour les jeunes Congolais, pas seulement dans le football, ici on va parler du football bien entendu, mais le club a vocation à devenir un club omnisport dans lequel il va le basketball, le volleyball, le handball, espérons aussi pouvoir toucher à l'athlétisme. Mais en fait voilà, donc les aigles du Congo, les aigles parce que c'est un animal déjà que nous estimons être un animal royal, qui prend beaucoup de hauteur, qui prend le temps, qui voit le plus loin possible sa cible. Et voilà un petit peu les raisons de la dénomination. D'accord, ouais, merci encore Président pour la parole, l'opportunité de pouvoir faire partie de ce projet. C'est vrai que, étant tout petit, on rêve de jouer au football, mais par moment, ce rêve ne se réalise pas, mais on a la chance, comme moi, par moment, de pouvoir faire cette opération. Toujours dans le milieu du football, mais cette fois-ci en dehors et plus verte. L'opération avec le président était une opération séduisante. J'ai été séduit par la vision du président à faire de ce club un grand club. Le président a la vision, il y a une mission et nous avançons sur les valeurs. Ajouter à ça, pour répondre à votre question, c'est que la touche particulière que je peux apporter, c'est de pouvoir mieux structurer le projet sportif. Parce que vous savez, nous ambitionnons à être grands. La preuve en est que pour cette première saison, on a eu président 7 mois d'existence, le club a joué la phase des playoffs. Sinon, je ne sais pas si on peut déjà annoncer ou dire les ambitions que nous avons pendant cette partie des playoffs. L'objectif, c'est que nous voulons aller le plus loin possible. On dit seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et nous croyons que pour aller plus loin, ce n'est pas uniquement avec les joueurs sur le terrain, mais c'est avec les joueurs forts sur le terrain, avec une structure forte en interne et c'est avec des partenaires forts. Donc voilà la touche. Si vous permettez, patient, j'aimerais rajouter une petite chose parce que vous avez posé une question, la question de savoir ce qu'il pouvait apporter. Alors, je vais vous raconter une toute petite anecdote, c'est comment j'ai rencontré Junior, mais comment j'ai adopté sa vision aussi et sa présence au sein de notre structure. Voilà Junior qui arrive avec un ami qui l'a introduit et il me dit voilà, président, j'aimerais participer à votre projet, j'ai entendu ce que vous avez envie de faire, etc. etc. J'aimerais participer, j'aimerais apporter mon savoir-faire et tout ce qui s'en suit. Je lui dis bon, ok, d'accord, il est bien mignon, il est bien gentil, il est très grand aussi, il devrait jouer au basket. Qu'est-ce qu'il va venir me raconter ici? Il me dit président, est-ce que vous pouvez. On était dans mon bureau. Alors j'ai mon bureau de ce côté-ci, puis il y a un petit salon un peu plus loin, il y a une télévision beaucoup plus loin. Il me demande de me lever et d'aller à la télévision. Il me dit, président, si vous pouvez venir et je peux utiliser votre télévision. Je dis, mais qu'est-ce qui vient m'embêter celui-ci à venir me mettre devant ma télévision dans mon bureau? Bref, je me déplace, je m'installe, je m'affale sur le fauteuil. Genre, vas-y, pose toujours, explique-moi ce que tu as envie de m'expliquer. Il branche son ordinateur et il commence à m'expliquer. D'abord, je vois l'image, le logo du club, je vois les couleurs, je vois les choses écrites, et puis je commence à lire, et puis il commence à expliquer. D'abord, il m'a posé une question, j'ai répondu à la question, et ensuite, il a commencé son exposé. Et donc, j'étais comme ça, et puis j'ai fait. Continue. Et il m'a expliqué. Et ce que je voyais sur cette télévision, qui passait par les slides qu'il avait sur son ordinateur,
il avait matérialisé ma vision et il l'avait mise par écrit. Et je voyais ce que j'avais en tête et je le voyais écrit. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Je peux avoir des idées, je peux avoir une vision, je peux avoir des pensées, des réflexions, mais je ne suis pas très doué pour les mettre par écrit. Et lui, il avait réussi, alors qu'il n'avait pas passé, je crois, plus de deux heures avec moi auparavant, il avait réussi à transformer ça en quelque chose que je comprenais par écrit, avec un organigramme, avec une organisation. Toutes les choses dont je parle et que j'attends que mes collaborateurs mettent en application, et d'ailleurs, je tiens à féliciter aussi le travail qui a été abattu par notre staff et notre direction. Notre présidente, je tiens à préciser, Madame Carole est une dame, la présidente des Aigles du Congo est une dame. Notre secrétaire général, Olivier Pekongo, est aussi présent, on les présentera. C'est Nakifou Alamba Charles. Donc, pour lui, et une petite histoire, je laisse le président. Non, juste un petit surnom. Que l'on a oublié, qu'on tend à oublier. On pense que
De nos jours, le sport, c'est beaucoup d'arrangements, beaucoup de... Et surtout, malheureusement, en Afrique, parfois aussi au Congo et à l'étranger, mais souvent, on dépeint dans le football et dans le sport des valeurs qui ne sont pas vraiment celles du sport en lui-même. L'honneur, la combativité, la sincérité dans les actes, dans les jeux. Voilà pour le bleu. L'or, alors on va dire, oui, c'est très prétentieux, la couleur dorée, c'est ce qui en fait vient, qui a été rajouté par notre équipementier, parce que bon, cet équipementier, nous avons quand même un accord particulier avec lui. Vous verrez que tous nos kits sont arborés de la marque Jago, et à tous les niveaux, donc au niveau senior, junior, U16, toutes les autres équipes, pour le moment en tout cas, c'est la... l'entente que nous avons avec eux, et ils ont accepté de nous rajouter donc ces liserés en or, parce que lorsque nous avions fait la présentation de notre club, il y a de cela 6 mois. Bon, c'est vrai que j'ai des amis camerounais qui jouent aussi le championnat congolais. Donc, ce qui fait que j'ai eu le temps d'avoir quelques tuyaux par rapport au championnat, parce que vous savez, partout en Afrique, ça fouille. Donc, dans le général, on sait que c'est combatif. Oui, dans le général, on sait que c'est combatif. Donc, je ne pense pas que c'est tellement différent de certains championnats, parce que dans le global, c'est le jeu. C'est le jeu en fait. C'est le jeu. Donc ce que je peux dire, c'est que j'ai pris la peine de me préparer et je sais ce qui m'attend. J'ai parlé, il y a un Congolais, j'ai joué avec lui au Rwanda. Il s'appelle Lisele Cédric. Donc c'est un Congolais. Et j'ai joué le championnat rwandais. J'ai fait un tour en Zambie, au Mozambique. Oui. Donc dans l'Afrique en tout cas, j'ai un peu roulé quoi. Ouais. Bon, je viens de Gasogi United Club au Rwanda. Oui. Combien de buts t'as fait? 9 buts. C'est bon, merci Maxwell. Non, on avait été en Ukraine, t'es pour Nathan, on a commenté guerre et Zalagi. Mais on a gagné ceci là qui, après 2 semaines de guerre et aux Zonga, il y a un intérêt pour nous faire de la bonne Zonga Congo, la bande de la Macamora 0, on a été à la place de Zamba au Mimangari. J'ai fait grâce, on a été signé dans les aigles, dans les sens là. Non, on a été pour le projet club, on a été pour l'équipe nationale, on a été pour tout quoi. Tant du jeu Nangaï, Macamonioso, Israël, on a bien, on a Zonga la poste et Nangaï. Merci Nangaï. Merci. Celui des Aigles du Congo, bien entendu, Vita Club étant un des clubs les plus populaires ici en RDC, même si Mazembe porte pour l'instant les couleurs de la RDC au plus haut niveau, au niveau de la Ligue des Champions. Vita a renforcé vraiment son staff énormément également, et je crois que son staff est composé de 16-17 personnes, tout en ayant gardé M. Chungu et par exemple Nelson Nkongo également, et d'autres. Je parle de ces deux personnes puisque j'ai succédé à l'époque à M. Chungu, et Lukong était notre gardien. Donc voilà, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Europe, du Maroc, etc. Donc même d'autres pays d'Afrique. Oui, c'est un adversaire de calibre, bien entendu. Moi, personnellement, ça me fait plaisir parce qu'il y a encore 2 joueurs qui sont là-bas, que j'ai coachés, qui sont Issama et Lunga. Donc, bien entendu, ça me fait plaisir de les trouver. Même s'il n'y a plus la foule d'antan, on va dire, puisque l'époque, c'était 70, 80, 90 000 personnes. Donc, voilà. C'est un adversaire coriace qui a également très bien préparé ce play-off. Sur le tapis, ils sont favoris, donc voilà. Et je pense que le président vous l'a dit, on est là pour essayer. Une chose, c'est que mes joueurs ne soient pas trop timorés, ne soient pas trop intimidés. J'essaie en tout cas qu'ils ne le soient pas. J'essaie de leur expliquer que lorsqu'on monte sur un terrain, bien entendu, il faut respecter tout adversaire. Le plus grand respect qu'on doit avoir envers l'adversaire, c'est essayer de se battre le mieux possible contre lui et certainement pas le craindre. Même si l'adversaire a un nom plus gros que vous, glorieux que le vôtre, ou en tout cas ou un passé plus glorieux que le vôtre, il faut monter sur un terrain, quel que soit le sport, en tout cas, jamais avec l'idée de se dire on va être battu.
battu. En tout cas, moi, je connais aucun coach de football qui soit monté sur le terrain en se disant « Ah, aujourd'hui, on va être battu, on va en faire mâcher. » Non, on essaie toujours de gagner, bien entendu. Chose qui ne sera pas aisée, mais j'espère que les garçons vont tout donner pour essayer de faire une très belle rencontre face à Vita Club. On va poser un tuto à l'écrit.